Et plop les gens, de retour sur Dandara, après 11h16 secondes de jeu, apparemment. Alors je préviens tout de suite, j'ai été chercher, je me suis spoilé, je sais comment rentrer. En fait, et d'ailleurs j'ai essayé de lire une soluce papier, mais en fait tout simplement... J'avais totalement oublié, du coup, vu que ça doit faire un bout de temps. Celui-là, on l'a découvert de... Comment ça s'appelle? De camp. Et vu qu'on a découvert ce camp, on peut s'y téléporter. Donc là, je fais hop, raid. Et je crois qu'il s'appelle la brèche dans le mur. Et là, magie. Tout ce que l'on peut dire de la forteresse dorée, l'or le dit lui-même. La transmission du message est aussi superficielle que son but. À l'intérieur, on trouve la même chose qu'à l'extérieur. Eldar et tout ce qu'incarne l'armée eldarienne. Dandara, la forteresse dorée n'est pas un endroit où l'on peut se permettre d'avoir peur. Tu ne pourras jamais arrêter Eldar. Si tu essaies encore de te fuir toi-même. Affronte tes peurs, sois forte. Ok. Donc, là, on n'a forcément pas assez de sous. Souvenir, je crois qu'on avait vu qu'on avait déjà tout. Le coquillage miroir, oui. Et du coup, brèche dans le mur, autre côté. L'angle d'or 975. Oh! En fait, il y a des trucs dans les murs. Il y a des trous dans les murs. Oh! Bah, ça doit être comme ça qu'on a le coffre au milieu de la forêt. Alors ça par contre, j'ai... Quoi? Je crois que je m'étais un peu spoilé dessus. Oula. C'est un cheval, un homme cheval qui... Du coup il n'y aura plus les lasers. Je crois que je m'étais... Ouais c'est ça. Ok, ça détruit toutes les défenses. Je crois que je m'étais un peu spoilé sur le coffre, mais j'avais rien compris de ce qui se passait. Mais j'avais lu, ouais, prendre le coffre, il faut rapporter à 975, et après... Et après, prenez l'autre coffre, ou je sais pas quoi, enfin... De toute façon, c'était pas ce qui m'intéressait, donc j'essayais de pas trop me spoiler. Ok, donc il y a des humains réduits en esclavage. On leur fait porter une tête de cheval. Et on les fait marcher dans une roue comme des hamsters. Et du coup... Et du coup, si on les tue, pauvres humains, pauvres vies, tous les pièges sont désactivés. Le chemin d'or... Oh putain. Oh non, il y a déjà des bulles. Oh mince. Donc là on en est où? On en est là.
Mince. On essaie de faire un ennemi à la fois. Et ça se passe bien, à peu près. Donc là, normalement, on est au niveau de l'œil. Porte. Ah! Hop là, la potion. Ah, la potion, ça n'a pas fonctionné, pas eu le temps. Mais, vu que j'ai déjà détruit, tué les esclaves. Non, il respire encore, il respire encore. Le chemin sera plus facile. Peut-être juste réussi à détruire leur masque de cheval qui les contraignait à obéir. Alors là, est-ce que le passage, oui, le passage a l'air d'être préparé. Pourquoi Non. Non. Oh là là, c'est chaud. Je sais. Au lieu de jamais utiliser mon mana, je vais lui sais comme ça. Vu que ça fait des dégâts, voire même comme ça. Vu que c'est une attaque qui nous a jamais servi, mais jamais. Autant essayer de l'utiliser. Je sais pas laquelle utilise le plus d'ailleurs. Non, ouais, je vais mettre les arbres de souvenirs. Je sais pas si elle utilise plus de mana ou moins que l'autre, mais elle m'a l'air plus facile à utiliser. Enfin, non, plus dur. Donc sûrement plus. Sûrement plus de dégâts. Au secours. Ah non, j'ai utilisé une potion, mais... Ok, ça a l'air d'un faire. Oh punaise, par contre moi ça me bute. C'est compliqué, ça se trouve... Je veux dire, ça se trouve, il y a une autre arme pas loin, mais... Mais ce n'est pas sûr du tout, vu qu'on a l'air d'avoir tout débloqué. Voilà. Ensuite...
Ensuite, voilà, on va ici. On lui laisse pas le temps d'arriver. Je pense que je vais les esquiver ceux-là. Voilà. Pas grand chose à part de la galère. Ah d'accord, ne pas tirer sur les esprits de sel. J'ai l'impression qu'il mourrait à gauche. Je regarde vite fait dans le retour. Ça ressemble à des étincelles, hein. Ça ressemble beaucoup à des étincelles, tout ça. Cet épisode sauvé par un spoiler et qu'au final après je n'y arrive pas. D'ailleurs il n'y a pas d'ennemis à gauche là. On a buté les deux. L'œil disparaît. Et la porte est ouverte. Ah, suffisait que j'énonce mes craintes. Et c'est tout bon. Allez, on va sauvegarder comme ça. Le jeu va nous dire hey, tu vas recommencer. Souvenir. Non. Dandara, est-ce que j'ai des sous? J'ai quelques sous, mais pas suffisamment pour monter le niveau. Alors je viens de la gauche, j'ai fait toute la partie gauche. Je peux faire tout côté droit, toute la muraille droite, ou rentrer dans la forteresse. Je pense que je vais longer pour mince. Ah punaise. Ça se tue pas. La menace d'or. En tout cas, de ce côté, ce n'est qu'un coin ridicule. Alors. Mais qui nous annonce que du mauvais. Deuxième potion maintenant. Oui. On libère tous les esclaves. Et on va regarder comment accéder à la suite. Donc 975. Fois 2. Et si je vais là, non ça. Ouh punaise. Est-ce que... Ok. Donc cette salle pour le moment... Oh punaise. Oh punaise. Jusqu'à présent les pics ils faisaient jamais rien parce que... Parce qu'on n'était jamais dans une salle... Enfin jamais sur des plateformes mouvantes.
Et plop Tokyumiya. Ça va? Pas grand chose de ce côté là. Enfin deux coffres quand même. Ah bah oui. Il faut rester poli hein, dans la vie. Toi qui vas être mère, faut que tu réapprennes ça apparemment. Alors, est-ce que... Oui, je vais quand même aller sauvegarder. Ça me donne une potion gratuitement. Enfin, juste... le temps d'aller jusqu'ici. Enfin, au lieu d'utiliser une potion et quelques. Et en plus, on peut... allez, on augmente l'énergie. On va augmenter l'énergie à fond avant de... Avant d'augmenter les PV à fond. Hop. Alors. Forteresse dorée. Chemin de la grande fortune. Il y a beaucoup de dieux qui me regardent. Grande salle. Pourquoi c'est pourquoi une séparation au milieu? On explore la salle en priorité. Ok. Donc on est bloqué et on doit aller sur les bords sûrement pour déverrouiller. Corridor des hommes forts. Alors Dandara est peut-être forte, mais ça reste une femme. Elle a pas le droit d'être ici. Oula, non. Non, en plus j'ai changé d'arme. C'est ça que je voulais faire. Bah, c'est pas ma faute, c'est le couloir, il s'appelle couloir des hommes forts. Est-ce que ça veut dire que Dandara n'a pas le droit d'y aller? C'est pas moi, c'est le jeu. En tout cas, Dandara, elle a dégommé l'homme soi-disant fort. Donc, voilà, c'est pas une remarque macho. Hein. Je remarque ce que le jeu annonce. Justement, je faisais remarquer que le jeu était un peu macho là-dessus. Donc là, il faisait carrément tourner deux esclaves dans cette salle. Deux esclaves tête de cheval. Au moins. Ok, je suis là en bas. Il n'y a pas de... Non, c'est bon. Maintenant que je sais qu'on peut passer à travers certains murs, je ne fais que ça, regarder les murs qu'on peut ou pas traverser. Hall des hommes puissants. Non mais c'est pas moi. Mince. Salle des hommes expérimentés. Pourquoi je me suis précipité en bas alors que je savais que en l'air entre les deux je risquais rien. Chemin de la grande fortune, oui. Ok, ça suffit de tirer une fois dessus. Et celui-là plusieurs fois. Ah, il y avait des majuscules à homme. J'avoue pas avoir fait gaffe.
Oui. Potion. Désolé, je suis obligé d'utiliser mes pouvoirs sur les... sur les esclaves. Mais avec le mini-boss au milieu. Exposition d'Auguste. Là aussi, il y a une majuscule Auguste. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Dandara, elle n'a pas le droit d'exposer ici, c'est ça? C'est plus que des yeux, il y a même des... Oh mince! J'ai pas vu la boulette! C'est le nom de quelqu'un, ouais, ouais. Sûrement. Ah, du coup, je suis... Ouais. Enfin bon, j'ai fait toute la première moitié de la salle, là, en passant par la gauche. Oui. En plus là, vu que j'ai pas eu... J'ai dit. Ok. Donc j'ai récupéré le raccourci pour revenir ici. On va se refaire ce boss parce que... Parce que j'avais un safe spot que dont j'étais au courant mais que j'ai oublié. Passe un peu mieux. J'hésite à utiliser ma potion 4, 8, allez. Ah, ça fait que ça. Chambre d'essai de quoi? D'Auguste. Okay. Alors. Oui, oui. Là, il y a le laser. On passe juste après. Je me suis fait surprendre par le... Il y a un passage en bas. Merci. Ok.
J'ai appuyé sur tous les boutons alors que je ne voulais pas. C'est bon. On réutilise une potion, il ne nous en reste plus beaucoup. Il y a quand même bien un petit passage là-bas. Et je suis bien curieux de pourquoi il y a ça. Oh. Ah. Quoi? Au secours, je suis bloqué. Bonjour. Là, j'ai pas un angle apparemment. Bonjour. Pourquoi vous mettez une salle là et... j'ai réussi à m'y bloquer, parce que là je peux pas sortir, il n'y a plus de ligne. Là il y a une ligne mais apparemment ça marche pas. Ah si si je peux. Je peux faire ça. Bon. Ben, on va oublier cette salle parce que. Alors. Laboratoire d'Auguste. Je n'avais pas vu. Voilà, ça sera plus facile. Ok, il ne restait plus rien. Alors. Ah, la bouche, elle est à l'envers, là. Machine d'Auguste. Ça me fait très beaucoup penser à... Metroid. Le passage juste avant le... Oula. Non. De toute façon, il n'y a plus besoin. Non, c'est bon, c'est le même. Potion, mais on a quand même plus de vie. Pourquoi je suis rentré? Je voulais pas. Ah si, c'est bon. Alors. On va pouvoir aller plus loin. Regardez, oh non. Mais normalement il n'y a pas de passage dans les murs. Alors là on peut aller à gauche ou on peut essayer de continuer. Et on ne peut pas continuer, d'accord. Là il n'y avait pas de passage. Oh super. Salon des belles femmes. Ah. Ça par contre c'est bien écrit femme. Hein. Et même il n'y avait pas de majuscule, j'ai vu. Trop tard, j'aurais dû me bouger avant. Oh, y a, y a. Ce nombre de morts inutiles. C'était surtout, j'ai envie de dire, la dernière fois ou la fois d'avant que j'ai eu beaucoup de morts inutiles. Non. Punaise. Voilà, ça aurait été juste plus simple de t'y aller directement.
T'as pas vu tes... Salon des femmes modestes. Voilà, là, y a... là tu vois, il n'y a pas marqué de majuscule. Et dendrologie, je sais même pas ce que ça veut dire en français. Alors, chercher comment l'écrire en japonais. Ok, c'était plus facile que ce que je... que ce à quoi je m'attendais. C'est là. Alors... Non, il n'y a pas de... pas de farce. C'est genre de la botanique spécifique. Ah oui. Oui, oui, bah la botanique. Corridor du silence. Je suis tellement peu intéressé que j'ai même oublié ce qu'on apprend dans Harry Potter avec la botanique. Alors que bon, c'est juste pour le fun Harry Potter. Enfin, j'ai surtout oublié le nom des plantes. Il y en a une qui peut te tuer juste en criant, ça. Je m'en souviens bien. Au moins t'exploser les tympans. Alors. Est-ce que cette salle... Non, c'est pas des passages. Du coup... Je vérifie partout alors que normalement, il y a plusieurs... fallait plusieurs coffres que j'ai vu à chaque... Enfin, à chaque fois, c'est que je voyais le coffre. Gymnase de l'espace. Je voyais le coffre, mais je ne pouvais juste pas y aller. Alors que là, je vois même pas de coffre équivalent. Alors. On va commencer par les plus faciles. Mince. Ouais, non, on y retourne. Quoique. Alors, ouais, c'est ça, je peux y aller que comme ça. Du coup, c'est quoi le plus intelligent? Aller à droite ou à gauche? Aucune idée, donc on va là. On va ici. On a rien sans rien. Ah! Ah! Une nouvelle potion. Ah oui. Une nouvelle potion. Parce que les fois où je meurs pas par manque de potions, c'est rare, j'avoue. Mais elles existent. Alors. Ce mur, il a rien. Ah, puis ce corridor des épouses. Là, il y avait du pluriel.
Oh punaise. Il y en a trois ici. Adieu. Allée des enfants, chemin de la grande fortune, oui. D'accord. Donc là, on retourne dans la grande salle et là, en activant le levier, on devrait sûrement pouvoir faire bouger ça, je sais pas comment exactement, mais comme ça que je vois le truc. Contrôle d'identité. L'identité, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Avec une grosse scie. Passer à travers, on peut passer à travers. Centre de commande. Oh punaise, super. C'est le mannequin qui fait la poussière là pour la menuiserie, le bois. Oui, je sais, je regarde. J'ai trop regardé des pubs étant jeune. Je peux plus dire que je regarde trop de pubs vu que je regarde plus la télé et j'utilise un bloqueur de pub comme tout être humain censé. J'en entends quand même vu que j'ai quand même la radio le matin. La pub qu'elle plaît. De l'armée eldarienne. Ouais, t'as raison. Oula. Voilà, on a re notre ami Cirabois, Cirage à bois. Alors là il y a une première porte à droite, sachant que la porte qu'on veut c'est très certainement celle en haut à gauche. Et qu'on est... Mais là on devrait pouvoir accéder ici, où il y a d'ailleurs peut-être le coffre. Ouh, super, l'emprise d'or, d'accord. Donc là c'est bien une nouvelle porte. Une nouvelle portion. Oh punaise, non! J'ai pas fait gaffe à mes PV. Direction, forcément, elle reprend la porte. Après, ce jeu, il donne vraiment envie de juste avancer. Et... Oh, bah, il y a un passage directement ici. Juste avancer et c'est tout, quoi. Et ne pas se prendre la tête, ne pas aller sauvegarder, ne pas... Non.
je reviens là d'ailleurs. Ok, tant pis. Faut que j'utilise une potion, moi si je meurs, j'ai quand même beaucoup de sel dans mon autre cadavre là. Si je meurs, tout disparaît. Faut oublier ça. Ok, par contre... Ah si, lui, on se le rebat, d'accord. J'hésite à utiliser mon mana. Ouais, comme dans Dark Souls, même comment il s'appelle, Hollow Knight au final. Hein. C'est surtout d'aller à gauche. Tant qu'on est dans des bons jeux de dés, l'entrepôt d'or. Ok. Là, je peux pas y aller. Je peux aller nulle part là, alors que je sais. Je sais que dans la salle d'à côté, il y a un. Il y a un coffre dans le mur. Potion, moi. Attendre ou revenir plus en arrière. Alors, le coin d'or. Ok. Ah, là on peut ressortir. D'accord. Donc on va faire ça. Quoique. Si on sort. D'abord on explore ici, du coup. Et ici ça ressemble à la capitale. Oh punaise. Rise. Ce panneau parle de se soumettre à une divinité d'or, venue d'ailleurs, d'un autre temps. Ouais, une autre potion, hein. On y passe après. Ah, un corps, oui. L'entrepôt d'or. Une potion ? Oui, une potion. Eh ben. Deux potions là. Alors. Ah oui, du coup, j'ai bien fait de supprimer. Hein. Ça, c'est le passage qui va là. Ok. Ok. Donc ça, c'est fait. Ici, je sais qu'il n'y a plus rien. À part des traces de mon sang. Putain. Affreux. Pardon. Oh là là. Et du coup, on veut tester par ici. Où est-ce que ce chemin emmène? Espace blanc. Et après, c'est moi le raciste. Oh là là. Ah, oh, j'ai pas vu la boule de pique.
là. Ouais, j'ai pris beaucoup de free damage, mais en même temps, j'ai eu beaucoup de... Oula. J'ai eu beaucoup de... Comment ça va? Vu que j'avais des potions, j'étais en mode c'est pas grave. Plus bas, non, c'est bien là. Et c'était effectivement pas si grave que ça. C'est pas le manque de potions qui m'a tué, c'est le gros boss contre qui je sais toujours pas bien jouer. Oh là là, je me suis mis trop près. Oh, je perds l'envie, je crois. Ou les réflexes, ou... Alors que là, ça s'est passé nickel. La fois d'avant, elle était affreuse sur ce scène. Oh non, il... Trop de l'armée Eldarine. Ok. Qui fait débander. N'importe quoi. Ça fait la débandade, ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait d'autres passages ici. Ah oui, ici, il y a deux passages. C'est encore une double pièce. Oh, y a... J'ai dit que je commençais par l'extérieur plutôt. J'ai plus besoin d'aller vers le haut, à part pour récolter 2 centimes. Oh là là. Et les pics aussi, ça fait mal. Hein. Là, ok, elles font juste des allers-retours, une à droite et une à gauche. Parce que même ça, tout à l'heure, je me suis fait surprendre. Il n'y avait sûrement pas besoin d'être surpris, mais... Il y a des trucs là-haut qui... et qu'on recule, ça va mieux. Voilà. Espace de l'avidité. Alors, c'est l'espace pour apparemment. Oula, non. Est-ce que ça marche ou ça marche tranquille, tranquille. C'était pas du tout ça que j'avais en tête. Je pensais avoir la boule bleue qui fait des dégâts, je sais pas pourquoi. Ah oui, il y a un deuxième coffre là, d'accord. Ouais. Allez, on sort.
Là, il y a un espace à gauche. Mais... Si, on va d'abord être ici en tant qu'on y est. Espace de l'avarice. Avidité, avarice. Je suis pas certain de saisir toutes les subtilités d'ailleurs. Avidité, c'est quand on veut les choses. Avarice, c'est quand on n'est pas prêt à partager, c'est ça? Oh là là. Je prends tous les dégâts du monde. Potion de mana. Très bien. Ouais, je le fais pas du tout comme il faut. Hein. Oh, c'est quoi ça? Flèche de la liberté. Dandara a son but bien en tête et sa poussée énergétique augmente. C'était pas 4 tirs avant? Et la portée, je sais pas. Voilà, alors que c'est si facile de pas se prendre un seul dégât dans cette pièce. Alors, on retourne en bas. Pour ça, on va se remettre là. Non, on va falloir tout refaire. Non. C'est juste que je vois pas bien. Si c'est le. Voilà. J'aurais dû rester en bas. C'était fait pour qu'on soit bloqué. On se permet d'utiliser notre petite potion. Et genre ici y a rien. Genre ici il n'y a rien du tout. Je croyais que j'avais appuyé, désolé. Qui apparaissait de nulle part, c'est qu'il y a un truc vert là qui va se casser à l'autre bout du monde. Non, j'ai dit que je passais pas par là. Je peux remonter par en haut. J'en profite. Surtout que c'est fait pour, du coup, si je ne le fais pas, il y a des chances que je sois bloqué dans l'autre sens. Oh, il y a une scie sauteuse là qui passe. Une sulfateuse. Oh, punaise.
Oh putain. Ah non, pas eux en plus. Oh là là. Et non. Je parlais de pas les sauvegarder. Je commence à avoir beaucoup de sous, je crois, dans mon corps. Et à être loin de la sauvegarde, d'ailleurs. En même temps, ça impliquerait de revenir en arrière. Ah oui, mais là, du coup, je prends la souris pour vous montrer. À chaque fois que je suis sorti là, j'ai fait ça. Je fais ça, ça. Hop. Je suis monté. Après, je suis redescendu ici. J'ai galéré pour redescendre. Et là, je suis mort ici. En fait, si ça se trouve, en passant là, c'est tout bon. Et j'ai bien fait de pas passer par là en premier. Parce qu'après, là, je refais. Ah, il y a un coffre et je suis bloqué. Obligé de faire tout le tour. Bref. Hop. Ça fait déjà 56 minutes de vidéo, j'aurais peut-être déjà dû m'arrêter là, mais je suis reparti pour un tour. On va dire jusqu'à la prochaine mort à peu près. Vu qu'on a bientôt fini toute la forteresse. Si c'est la fin du jeu, je pense que ça nous fera un autre épisode après avec réexploration, essayer de finir à 100% pour une fois. Si ce n'est pas la fin du jeu, bah, ce sera la suite, c'est tout. Ça m'a l'air plus facile dans ce sens quand même. Ouais, et tuer le dernier, on l'a déjà fait tout à l'heure. On va pas s'embêter avec ça, je pense. Surtout qu'on en vient de là-bas, il n'y a rien à y faire. C'était juste pour récupérer notre corps. Notre âme, je sais pas. Notre sel, surtout. Alors, cours de la marée, Eldarienne. Ok. Alors, ici, ok, on...
Ah oui, mais là, je suis dans son dos. C'est pour ça qu'il est tout gentil. Alors, camp découvert, parfait. Je me disais bien que ça faisait longtemps. Dandara, on prend la fin du mana et de la vie. Alors là, on peut monter. Si on monte, on revient dans la salle précédente. Mais surtout, il faut qu'on aille à gauche pour allumer. Toucher à l'interrupteur. Il y avait quand même tout ça dans la forteresse, hein. On a fait tout ça là en une heure. Passage pour que ça soit plus facile d'y revenir si jamais on a envie. En même temps, on a le TP, donc ce serait bizarre. Chambre de contrôle. Pas du tout l'impression de se faire mener en bateau là. Ok. Ça se réallume. Tout ça pour nous emmener au centre. SEM signal. Signal. Dandara, mon petit, que fais-tu ici? Que fais-tu? Crois-tu que c'est ce qu'il y a de mieux pour le sel? Je désire seulement que le sel soit heureux, qu'il soit satisfait. Comment peux-tu voir les choses autrement? Regarde autour de toi, tu te bats seul. Pourquoi? La création a été abandonnée. C'était amusant au début, mais désormais elle n'apporte plus que de la souffrance. Laisse donc mes murs d'or se répandre à travers le monde. Le sel sera fort et brillera d'un vif éclat. Imagine les histoires d'or que l'écrivain contera, la paix que nous connaîtrons, enfin. Je suis désolé que tu aies traversé tant d'épreuves, mais rien ne changera. Mais... Oh punaise. Oh, c'est marrant ça. Ah d'accord. Ok. Non, on va se garder le boss pour le prochain épisode. J'espère que du coup cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Ciao.